Bienvenue au quai de transfert des déchets, au cœur de Villard-de-Lans et du massif du Vercors. Alors, ce projet a été demandé par la maîtrise d'ouvrage pour répondre à une problématique de déchets. C'est un quai de transfert qui a vocation à accueillir toutes les collectes de déchets des différentes communes. C'est un bâtiment technique, donc l'ambition architecturale n'est pas la première demande pour ce type de bâtiment. Néanmoins, le bâtiment est situé au cœur d'une vallée assez protégée et très boisée. Nous avons souhaité y faire un bâtiment majoritairement en bois et représentatif des savoir-faire locaux. Alors, ce projet utilise le bois sous une grande quantité de formes et d'usages. Nous avons souhaité l'installer en vêture, donc on le retrouve en façade, protégé pour être utilisé le plus naturel possible, mais nous le retrouvons également en menuiserie extérieure, en menuiserie intérieure. Alors, il y avait une volonté avant tout politique d'utiliser du bois dans ce projet. Les communes du massif du Vercors sont propriétaires forestiers et donc souhaitaient mettre en valeur une ressource du territoire. Nous avons donc cherché depuis le début à fabriquer un projet qui s'implante et qui s'ancre dans ce territoire avec des savoir-faire et des ressources locales. Par ailleurs, le bois est évidemment un agro-éco-matériau qu'on souhaitait implanter pour laisser une grande place dans le projet à toutes les problématiques environnementales. Enfin, l'utilisation d'un bois local dans le projet permet aussi l'entretien, le développement et la mise en valeur de filières et de savoir-faire locaux. On a cherché à faire le projet le plus rationnel possible, le moins traité possible aussi. On a tous les bois de structure qui sont apparents, qui n'ont pas nécessité de traitement. Tous les assemblages ont pu être réalisés sur le plateau et aucun bois n'est descendu dans la vallée. Alors pour le projet, nous avons utilisé indifféremment du sapin et de l'épicéa, qui sont tous issus des forêts avoisinantes.